C'est pas mon meilleur qui arrive. Où c'est que ton cavalier? Il est dans la haie. Hein? Comment ça? Ouais. C'est parce qu'il a foncé dans ta haie avec le char. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Sais-tu, moi? C'est pas large, hein, de tenter le garage? C'est pas mal, ça! C'est pas mon char, ça, c'est pas lui! Oui, c'est lui. Qu'est-ce que t'as, Junior? Es-tu endommagé? Non, juste un choc nerveux, là. Mais oui, mais comment est-ce que t'as fait ton compte? Je faisais l'entrée du garage, mais je pense que j'avais le compas à côté de l'œil. Mais oui, mais t'aurais pas pu foncer ses poteaux à la place! J'ai pas eu le temps. T'as pas l'air dans ton état. Avez-vous bu? Un peu, non. Il me semble que je t'en avais parlé de la boisson. T'aurais dû m'en parler plus encore. Peux-tu que je t'aide à replacer ta haie? Je peux bien reculer le char, hein, si vous voulez, moi. Veux-tu que je te recule, moi? Bernard! Fendons le gazon à coups de hache, tant qu'à l'air! Bernard, je t'ai dit Bernard! Je m'excuse, maman. Je suis peut-être un grand patient, mais là, ma patience a le goût de fesser. Sais-tu ce que c'est que cette haie-là? Du cèdre? Non. Cette haie-là, mon petit gars, c'est ma haie à moi. Je l'ai plantée avec mes mains. C'est moi qui l'ai mise au monde! Je l'ai quasiment allaitée! T'as-tu déjà allaité ça, une haie? Non. Ça me surprend pas! On est avec du monde, là, Bernard! T'appelles ça du monde, toi, maman? Moi, j'appelle ça des tarlats! Georges, je m'excuse de te dire ça, mais ton gars, c'est un tarlat! Excuse-toi pas, je comprends ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre au monde un tarlat de même? Ben oui, excuse-nous. Il dit ça parce qu'il est fâché. Bien sûr. Non, mais maman... Comprends-tu le principe, hein? T'aimerais-tu ça faire cuire un gâteau pendant 20 ans puis que je pile dessus avec mon char, hein? J'achale pas le gazon des autres, moi! Pourquoi est-ce qu'ils viennent achaler le mien? Je demande pourtant pas grand-chose, oh bon Dieu! Je demande juste rien! Hein? Y'a pas moyen qu'il arrive à rien dans la vie, coudonc! Va-tu falloir que je tue quelqu'un pour avoir la paix? Ça va faire, là, Bernard! Oui, ça va faire, parce que je pourrais dire des choses que j'aime autant pas entendre! Bon, je pense qu'on va y aller, nous autres. Faites donc ça! Vous voulez pas rester encore un peu? Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ce soir. On viendra demain, plutôt. Demain, on est fermé! Bernard! Vous voulez pas prendre un café avant de partir? On va y penser en chemin. Bon, ben, on a bien aimé notre soirée. Voyons donc, c'est pas ça qui compte. Dites bonsoir à Suzy, là, puis merci pour Linda. Rendez-vous bien. Vous autres aussi? Bon, ben, bonsoir, Bernard. Facile à dire, ça! Dire que je l'ai eu, mon Vietnam! Je sais pas si Bernard va mourir, hein? Ça me regarde pas! Veux-tu manger des toasts ou des muffins demain matin? J'ai pas faim demain matin! Vous m'avez marré! Dis-moi pas que tu penses encore à ça. T'as la mémoire longue, toi. Il faut que je me demande à quoi ça sert, la vie! Je vais donc coucher. Tu penseras à ça demain. Parce que je vais aller me pendre, moi, là! Oublie pas d'éteindre les lumières avant. T'as pas d'envie!